Listen. Thank you.
J'espère que vous allez bien. Oh, un peu chaos. Le spectacle, la crèche. Enfin, c'est les professionnels de la crèche qui faisaient un spectacle pour les enfants. Et les parents se garent comme des cons. Je suis restée bloquée 20 minutes dans ma voiture. Bref. Surtout que j'étais partie un peu en scred juste après le spectacle. L'abominable petite créature était un peu fâchée. J'ai passé 20 minutes dans la voiture. Ça va, elle était pas trop fâchée dans la voiture. J'avais mis sa musique. Mais bref. Ma foi en l'humanité prend un coup à chaque fois. Est-ce que mon micro, il arrêterait de... Donc voilà, je vous annonce que j'ai genre zéro patience. Mais du coup... J'aurais bien joué à Minecraft, mais ça fait peut-être pas force. Donc on va se continuer Zelda. On n'aura pas joué très équilibré cette semaine. Mais bon. Alors, on a eu la soufflette. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette soufflette? Oui, non, mais je crois que là, on est bloqué, qu'il faut... Voilà, on va aller où? C'est assez, il faut faire le tour. C'est ça, c'est ça. C'est la jarre magique. Jarre d'éole? Jarre. Je sais plus. Jarre magique. On va avoir une cinématique quand je vais descendre. Voilà. Pas pour rien qu'il y avait une boîte. Mais non. Sinon ça va? Voilà, vous étiez deux. Que un. Allez. Bah, j'espère. Bien préparé pour le week-end. Du coup, moi, ce week-end, demain matin, je vais pas pouvoir streamer. Je suis toute seule avec la créature. Demain après-midi, je ne sais pas. J'ai peu d'informations. Genre, je sais pas quand Florque. Voilà, et je sais que dimanche après, je suis pas là. Et ça, dimanche matin, ça dépendra de Florque si veut s'occuper du bébé ou pas. Enfin, si. Là. Bref. Donc voilà. Donc pour ce week-end, je ne sais pas. Et puis bah lundi, dimanche soir, normalement normal quoi. C'est louche. Je pense qu'il va falloir que je revienne dans le temps quelque part. Parce que ça, ces machines-là ont l'air de pouvoir bouger. Normalement. Se décaler un peu par l'envoyer. Voilà.
Bah, arrêtez de nous saouler. Oh, une crotte. Alors, comment c'était dans le passé? Ok. Et ça en fait quand même du sable pour remplir toute cette pièce là. Oups. Ouais. Peut-être. Allez d'abord le rapprocher. Bah c'est pas sorti. Oui. Qu'est-ce que ça va donc être? Désolé, j'arrive. Donc un corps de monstre. Et donc... Ouais, moi je dois aller par là, je comprends. D'accord que là je souffle tout assez loin. Ça... Ah. En vrai là j'ai aucune idée. Je sais pas c'est quoi en fait le... Ah oui. Ok. Mais encore. Ah là, j'ai vraiment mes gros blancs. Je comprends pas du tout ce qui est attendu de moi. Alors. Ok.
C'est bien, j'ai loupé quelque chose. Ok, oui, je vois ce que j'ai. J'hésitais à retourner. Ah, bon. Est-ce qu'on a l'hélice? Ça ressemble dans Ring Fit. Ils se déplacent, ces trucs-là. Sacre. Il s'agit d'un dispositif de sécurité antique. Son viseur central tire des missiles et les parties intérieures de son corps lancent des bombes volantes. Vous pouvez renvoyer ces missiles grâce à votre pile. C'est chiant à tuer ces trucs-là. Non mais oh! Ou à l'autre! Il y avait 20 rubis! Allez, grimpons. Et franchement, ceux-là, quand tu galères un peu avec la manette sur la Switch, sur la Wii, c'était extrêmement frustrant. Et on repart dans le présent où c'est tout pourri. Oh. Oh. Donc ces bestioles-là, ils ouvriront la bouche et... Non, il faudra... Ah oui, il faudra souffler dessus pour qu'ils ouvrent la bouche. Parce que voilà, on voit au-dessus, il y a un petit tour de coton. Et du coup, il faudra faire un coup d'estoc après.
Bah bien sûr, hein, il pourrait pas faire un truc tout droit. Je pousse ça d'ailleurs, j'aime pas. Je sais pas, il y a une caisse et un tracé par terre, je la apprends quoi. Quelque chose. Et quoi? Ah oui, on m'a donné des graines, je crois. Uh-oh. Non mais oh! La porte en haut. Ok. Bon, ça va. Mais elles sont jolies les couleurs un peu criardes de l'ancien temps. Oh, la carte! Sérieux, il y a trois pauvres pièces en plus, quoi. C'est un peu tard, là, pour donner la carte, monsieur, quand même. Nous ressommes. Ok, il y a des tracés au sol. Ok. J'étais restée avec... dans Oracle of Ages. Tu peux mettre un cube et tu pousses le cube. Quand tu le vois tomber, bah, c'est que tu peux plus avancer. Un petit raccourci. Ensuite. Ok. Je crois qu'après, à un autre endroit,
C'est la misère, là. On devra pousser des trucs à des... Donc là-dedans, il peut se retourner quand même. Je voulais juste récupérer le gloop. Ça va, ça me fait pas loin. Non, en fait. Là où j'allais, c'était la suite. Je sais pas si ça lui plaît ou si ça l'embête. Ok, tout ça pour ça. Let us go. Alors. Je suis déjà au prêt. Et il arrive à faire demi-tour quand même dans cette largeur-là. Elle est bientôt fine. Voilà. Alors. Ok. Sacré manche. Mais je suis passé. Ah mais c'est plein de sable ça, ok.
Allez, casse-toi. Oh, une fée! Cool! Ça pour quelques rues. Un rue. Aïe. Arf. Et tout ce sable là qui s'envole, il va où ? Hein ? Il disparaît juste, peut-être. Bon bah je sais pas moi. Un bouton. Piouf! On a trouvé! J'étais perdu! Oh oh. Ah non, c'est juste un chat. Avec une crevette. J'ai pas utilisé ça. Thank you.
tu appuies sur le... Il n'y a peut-être pas besoin de le tuer. Où est-ce que je veux aller, moi? En fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de... Ok, allons par là. Cœur, et qu'est-ce qu'on a là? Bisous. Que je refasse le tour, quoi. Je sais pas si elle est verte. Alors. Thank you.
Voilà, parfait. Ok, une échelle. Tapis. Aïe! Ah oui, c'est si fort que ça, ok. On n'est pas pressé. Mais elles sont électriques, ces saletés. Un peu paumé. Ok, il est là-haut, mais je sais pas comment je le... Je trouve rien. Ah, c'est... J'aurais dû louper quelque chose. Ah oui, ok. Là, il y a des bords, voyez. Mais pourquoi on peut aller jusqu'à de là s'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à de là? Hein, franchement. C'est pour ça qu'on m'a donné des bons. Ça va marcher. Je commence à en avoir combien, moi, des trucs d'ambre, là, comme ça? 15.
Je croyais que c'était un rubis jaune. C'est-à-dire 300 rubis. Après, s'il y avait un rubis jaune, et ça me dépasserait mon max de ma boîte. Pour ça, je serais un peu triste. Saut! Je vais où? Je dois aller jusqu'à de là-bas. Donc on a 2, 3, 1. Et à quoi ça va bien prendre? Mais là aussi, il y a un... clé. C'est un peu chiant de devoir changer dans la roue. Ah, ok. Celui-là, ce sera en premier. Mais non! Et de 1. Et de 2.
Et 2, 3. Moyen de passer par en bas. Est-ce que j'ai eu tous les coffres? Oh non, il en reste un là. Ah oui, si, je me rappelle. Da-da-da-da-da-da-da! Hop. Très bien. La clé du boss. Et je pense qu'à la fin de ce boss, je m'arrêterai. Un circuit entier. Et donc, on peut aller par la porte. Allez. Magnifique. So beautiful. Là, on va chercher le coffre tout à gauche. Genre tout là-bas. Et un petit raccourci pour si tu veux aller te racheter des bons. Fiole, tout ça, tout ça. Nous, on n'en a pas besoin parce qu'on est trop fort. T'es à la mort, je t'ai. J'aurais pu sauver. J'ai failli pas avoir le temps de... Quel machin. J'aurais pu sauvegarder. Mais bon.
Ouais, ok. Je suis pas très douée pour ces points. Ah, j'ai vraiment mal. Là, on est bien, non? Ah. Ouf. On a réussi, totalement par hasard. J'ai l'impression de... Enfin, qu'il allait tout le temps presque. Hop. Allez, c'est parti. Uh-oh. Ok, à faire que je le débusque dans le sable. Okay. Arthropode millénaire. Ok, je ne sais pas si ça fait quelque chose, je sais pas. Ok, il semblerait que oui. Avec les petits là. Saleté de petit. Aïe. Bon bah ça va. Pas de technique vraiment particulière. Il se laissait plutôt bien taper. Bon bah j'ai un peu envie de continuer en fait. On va aller faire des petites quêtes annexes.
Genre, on a un truc pour faire le ménage. Sixième cœur. Ok, donc là c'était la guerre. Alors, est-ce qu'on va voir Zelda ou pas? Peut-être faut que je me mette dedans d'abord. Je peux dedans. Mais c'est des. C'est les petits robots qui font un salut militaire. Ouf! Je trouve. Je me sens important. Alors, tu veux la voir, ma Zelda, ou... Quoi, c'est le miroir pour aller dans le crépuscule, ou... Oui, mais dans le crépuscule, c'était des carrés et lui, il a des losanges. Oh, pas! Dame Zelda, vite, la porte! Link! Ah oui, c'est vrai. Prends ceci, elle te sera utile! Vous avez obtenu la lyre de la déesse, mais ce n'est pas le moment de l'admirer. Dépêchez-vous! Un pas! Elle est super jeune, un pas. Ça fait bizarre. Après, d'habitude, en plus, Attendez. J'arrive à temps? Les Sheikah, ils ont les cheveux blancs, non ? Oui, on dirait bien. Link, il te faut rencontrer l'ancienne au temple du sceau. Elle te montrera la voie. Nous nous reverrons. Oui, Link, nous nous reverrons. Je le jure. Et genre, je pourrais pas partir avec Zelda. On se tape la discute et après, je vais voir au temple du sceau, quoi. J'avais presque oublié de m'occuper de ton cas. Hélas, je n'ai pas une seule seconde à t'accorder. Mais tu ne perds rien pour attendre. Bientôt, je te plongerai dans un enfer de douleur où tu brûleras vivant pour l'éternité. Ah, super! Bonne ambiance!
Il est tout triste, tout. Maître, fais du rapport. Je ne ressens plus l'aura de Dame Zelda. Lorsque cette porte a été détruite, la présence de Dame Zelda a complètement disparu. Il n'est plus possible de la détecter. La femme qui a accompagné Dame Zelda vous a dit d'aller voir l'ancienne au vallon du Sceau. Il y a dans ma mémoire une personne correspondant à cette description. Je vous recommande de vous rendre au temple du Sceau. Ah oui, des petites fourmis. Faut forcément prendre le scarabée pour 5 rubis, quoi. J'en ai 1000, on va pas faire ça. Allez, il y en a 10. Ah non, là, il reste encore un truc à souffler. Quoi, t'es allé à l'intérieur? Comment? Il y avait un passage secret pour s'y rendre? T'aurais pu me le dire. J'étais sur le point de laisser tomber et de rentrer, mais j'ai entendu un gros bruit, alors je suis revenu et le passage était dégagé. Je vais pouvoir inspecter ce qu'il y a à l'intérieur, et après, il faudra que je retourne au vallon du Sceau. Je suis débordé. Super. En vrai, moi j'ai plus rien à faire ici. Parce que je sais pas si, donc je sais pas si vous vous rappelez, mais genre ici, il y a un objet qui va me servir dans le ciel pour la chasse au trésor. Mais du coup, je sais pas si... je sais pas si je peux déjà l'amener ou s'il faut d'abord que j'aille à la chasse au trésor et tout. On va retourner dans le ciel. Que attendez. Ouais non si c'est trop. On va retourner dans le ciel et redescendre. Parce que sinon ça va être trop chiant de se faire toute la map. Oui je veux retourner dans le ciel. Pour après redescendre. Toc. Oui je vous ai pas dit. Donc la bouine n'a plus de créature, elle a pas mangé, elle a pas dormi à la crèche. Et ouh, on a plein de coffres. Elle s'est endormie sur le trajet de retour de la crèche. Donc j'ai un peu essayé de la réveiller. Et finalement, quand elle est sortie de la voiture, au début, elle voulait pas quitter mes bras. J'ai dit, bah non, je vais pas te porter, j'ai mal au dos. C'est toi qui as pas dormi à la crèche, en fait. Et finalement, elle s'est assez réveillée pour marcher. Mais j'avais un peu la flemme. On va aller à l'entrepôt au cas où la porte a été refermée. Donc voilà. Et finalement, ça va. Et puis elle a pas râlé pour aller au dos. Donc on a dit, c'est là-bas qu'on... Fichtre. T. Prendre la corniche. Si ça passe.
non, c'est pas sûr que ça passe. Ça marche. Moi qui a du garde, moi qui a du garde, moi qui. Elle y soit. Il y a du. Oh, une fleur. On va pas cracher dessus. Ok, faut tourner dans le ciel. Très bien. Puis on va se faire tous les coffres. Déjà. Je vais me faire un pas loin. Ah mais je vais réussir à finir mes phrases. Je vais aller voir l'île. L'île roulette. Qui est juste à côté, je crois. Oh. Ouais, elle est un poil loin. Mais on va y aller quand même. Donc on va aller ici d'abord. Alors. Pichtre, je suis en bas. Mais j'ai. Il faut le grappin. Putain. Ben oui, il faut courir. Ah mais je croyais que c'était pour atteindre ce coffre-là qu'on pouvait aussi utiliser le grappin maintenant, donc ce sera un autre moment. Une médaille cœur. Avec elle, les cœurs apparaîtront plus fréquemment. Si votre santé vous préoccupe, c'est l'objet idéal. Non ? Non, ça va, merci. Très bien, allons-y ici. Puis après, on a un de là. Et je pense qu'il y en a quelques autres dans ces... Oui. Voilà, il est tout penaud. Sniff, ma roulette est tombée sous les nuages. Je ne peux plus réaliser mon rêve. Rien ne va plus.
Et donc, on peut aller à l'endroit du désert. Et oui, je veux atterrir ici. À chaque fois, on se fait une fleur. Oui, maître, que puis-je faire pour Anali? Nous sommes sur les terres de peine. Mais là, il y a la roulette. Hey! Rumeur. Les chuchus monstres invertébrés peuvent fusionner pour former une entité. Super, tu sers à rien, Faye. Et ça se trouve, en fait, j'ai pas fini. Il fallait peut-être lui parler deux fois. On va retourner parler. Mec, en fait, il dit ça et après, faut juste lui reparler pour qu'il te lance la quête et j'ai peut-être sauté avant. Y'a rien sur celle-là. S'il y a rien, c'est louche. S'il y a pas de... Y a pas de corps. C'est super louche. Bref, tout ça pour ça. Je ne peux plus réaliser mon rêve à présent, rien ne va plus. Okay. Tout ça pour ça. Très bien. Il est chez Terry celui-là. On en a pour un petit moment pour arriver jusqu'à tout là-bas. On va essayer de se prendre différents boosts. Rien ne va plus.
J'ai peur que ça, ça m'envoie... Ah ouais, non, ça, ça va m'envoyer à la citrouille. Là, tout cet amas. Vous allez voir que je vais avoir trop de rubis et que va falloir que je retourne en arrière, que j'aille vider mes poches avant d'aller chercher le deuxième. Ah mais là, ok. J'ai pu. Ouf. Et salut Ridouche. Comment ça va? Sans rubis. Fichtre. Ma bourse fait 1200. Et ben, on va espérer que ou je reviens de. Ça va, c'est le week-end. Pour toi aussi? Non, allez, on va aller chez. On va aller là, et puis au pire, on perdra des sous. Cool. Mais moi qui dis week-end dit pute crèche. On croise les doigts que ce soit un quart de cœur. Sinon je râle. Et on s'y fait. Yes! Très bien, et on a eu tous les. Coffre, rentrons à la maison. On va se faire une ou deux quêtes annexes et après j'irai au dodo. Peut-être que tu vas aimer. Ok, bah moi je pense pas. Parce que Fleur il a la soirée d'entreprise ce soir. Donc je sais pas à quelle heure il rentre demain, ni dans quel état.
Et du coup, nous, on ira à B dimanche. Espérons que demain, l'abominable petite créature soit cool. Aujourd'hui, elle avait ni mangé, ni dormi. Alors... Est-ce qu'il y a des nouveaux coffres de la déesse ? Celui-là, on peut pas l'atteindre. Je trouve ça vraiment moche. Et il n'y en a pas d'autre. Ah, je suis sacrément triste. Lui, il faut passer dans l'eau. Je crois pas que je sache nager. Alors ça se trouve, faut sauter d'assez haut. Non. Mais ouais, ce soir, l'abominable petite créature, elle a tenté un peu de chercher. Elle a bien vu qu'elle allait me trouver assez rapide. Qu'elle a fini de manger tranquille. Elle a lu l'histoire. Je pense qu'elle était contente que je lui lise une histoire alors qu'elle m'avait un peu agacée. Et tout voit, et voilà, et tout était bien passé. Alors. Ce petit bonhomme là, on peut toujours pas le réparer. Ah oui, non, c'est pas tout de suite. On va voir si on a de quoi améliorer des trucs. Vas-y, améliore des trucs. D'abord, j'ai dit que je voulais... Ah, il peut améliorer mon... Ça, ok. Plus rapide. Oh, j'ai toujours pas de cristal maléfique. Pas de perle d'ombre. Ça, il pourrait me l'améliorer. Ok. Il peut pas me l'améliorer aussi. Mais c'est l'un ou l'autre. Non, ça j'en ai pas vraiment besoin. Et ça j'ai pas de quoi. Ok. Des larves de guêpe. Où est-ce que je vais trouver des larves de guêpe? Ah, il y en a au vallon du saut. Ok. Donc, ça sert à rien. Bonjour madame. Elle a le nommé l'Endurol. Si tu bois cette potion, ta jauge d'endurance se videra moins vite pendant un certain temps. C'est pas donné, mais ça vaut la peine. Non, ça va, merci. Et peut-être je vais le réparer, mon bouclier. Dix rubis, bah ça va. Cool. Un filet plus grand comme tu as du mal. Bah ouais, moi j'aimerais bien, mais il y a un objet que j'ai pas. Je sais même pas c'est quoi le cristal maléfique. Ça va pas être tout de suite. Et vas-y, traite-moi de manchotte aussi tant qu'il y est. Hop. Très bien. J'ai 1163 et il me faut 1200 pour finir de faire ma sacoche. Mais je vais aller chez Kiko. Parce que c'est dégueulasse. Et que, du coup, on va passer le balai. C'est par là. Crois que c'est ici. Ouais. Mais pourquoi ça s'ouvre pas?
Bonjour Link, tu vas bien? Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler, Link. Ma maison est une vraie porcherie. Sans deck. Kiko me répète tous les jours que je devrais faire le ménage, mais rien n'y fait, je n'arrive pas à m'y mettre. Alors je me suis dit que je pourrais te demander de le faire pour moi. Ça te ferait de l'argent de poche? Mais bien sûr! C'est vrai, tu veux bien, merci. J'étais sûre que tu accepterais, Link. Bon, où ai-je mis le balai? Ça fait tellement longtemps, je n'ai plus la moindre idée de d'où je l'ai rangé. De toute façon, tout ce que je veux, c'est être débarrassé de cette poussière. Peu importe la méthode, du moment que la poussière s'envole. Allez, mets-toi au travail, tu veux bien? Je sais pas combien elle va me donner. Mais je pense qu'elle va me donner plus que ce que j'ai dans mes poches. Enfin, que la place que j'ai. Et la poussière, elle s'envole. À un moment, elle va bien redescendre. Hein. Oh, la cuisine. Et Kiko, il râle, il veut que sa mère fasse le ménage, il a qu'à le faire aussi. Un pongo coup de soufflant dans la tronche. Parfait. Tu sais que tu n'as pas terminé, n'est-ce pas? Tu veux t'arrêter pour aujourd'hui? Mais non. J'en ai vu aussi du côté des fenêtres, des étagères et sur les lits. Mais oui, je sais, mais je me rapprochais de la porte pour nettoyer près de la porte, pas... Il en reste? Par contre, pourquoi pas. Ça ne se fait pas de fouiller dans les affaires des gens. Oh, ça va. Est-ce que c'est fini? J'ai bien de la chance d'avoir un vaillant chevalier comme toi pour m'aider, Link. Je te donnerai tes rubis dès que toute la poussière aura disparu. Viens-moi quand tu auras terminé. Ou bien veux-tu t'arrêter pour aujourd'hui? Non. Ah là, il en restait. C'était caché par le tapis moche. Ça alors, j'avais oublié la couleur du plancher depuis le temps. Merci beaucoup, Link. Tu as illuminé ma journée. Il est temps de te payer pour tes efforts. Bah vas-y, paye. À boule le fric. Mais je veux te parler. File les thunes. Ma maison est rutilante, comme c'est agréable de vivre dans une maison propre. Un cristal de gratitude! Lorsque vous venez en aide à quelqu'un, sa gratitude se matérialise sous la forme de 5 de ces cristaux. Yeah! 20 rubis! Sérieux? La poussière pourrait bien revenir, tu sais. Est-ce que je pourrais faire à nouveau appel à toi dans ce cas? Je te paierai bien, tu es d'accord? Une dernière chose, n'en parle pas à Kiko. Il se mettrait en colère en disant que je jette l'argent par les fenêtres. Tu n'en parleras pas, n'est-ce pas? Il a qu'à le faire? Mais enfin! Ah non, c'est encore propre! Waouh! Je suis tout aise, Bobby. Bon, nous, il nous faut 20 rubis. Ah si, il y avait un moulin avant, un moulin inventé. Oui, mais les arbres, des fois, il y a des rubis qui en sortent. Je te ferai dire. Et des fois pas. Bon, dans les tombes aussi.
Je veux 1200. Comment tu m'as trop jugé là que j'ai tapé dans l'arbre? Bah c'est quoi, c'est dans Ocarina of Time ouais que t'as les petits fantômes qui sortent. Allez, je veux 6 rubis, c'est pas non plus du monde. Ah, peut-être dans les trous de la cascade. Mais en vrai, quand on tire une des tombes du cimetière, la nuit, il y a un passage secret qui s'ouvre pour aller voir un démon. Coucou, c'est Issa qui regarde. Et salut Issa. Mais tu fais pas encore dodo? Mais enfin moi, je vous avoue, je vais pas tarder, mais... Salut, salut. Je cherche 6 rubis. Et là, quand je pourrais plonger, je pourrais aller me chercher mes deux coffres. On les voit par la fenêtre, mais on peut pas y aller. Ah, voilà, les citrouilles. Allez, 3 rues. Religieuse. Ah oui, non, c'est que la nuit qu'ils attaquent, les chats. Je veux 3 rubis, c'est pas plus... non plus. Voilà. Yes. Alors, maintenant, faut trouver... Terry. Et jamais... Voilà. On va aller acheter un morceau de sacoche. On fera tout. Super cher, 200. Et voilà. Génial, tu vas voir, tu le regretteras pas. C'est 0 et 8. Ça, c'est 800. Ça te rajoute un cœur. Et ça t'indique... Et je sais plus c'est combien. 1000 peut-être. Ça t'indique où sont les insectes. Bah allez voir Célestin, il a toujours des trucs à faire, Célestin. Oui, les insectes à attraper avec le filet. J'ai bien compris que j'étais nulle. Bah, y a même pas les papillons là aujourd'hui. Mais non, là, voilà. J'ai un truc qui tourne. À quoi ça sert? Arf. T'es trop.
Parce qu'il y a un moment où ça s'est allumé. On va refaire un tour. Mais il y en a un autre à mettre. Et je sais pas, je sais plus où il est. Ah si, il doit être au vallon du saut. Parce qu'il faut acheter aussi. Enfin, acheter. Pour récupérer. Alors. Stop. Super, on est content. Je sais pas ce que ça va faire. Mais il y en a un autre à récupérer. Sous les nuages. Hop. On va aller ici. Il y avait pas un insecte là, non? Si. Ah, si. Ah. C'était pas dessus là que je pensais. Bah, c'est plus ce que c'était. Parce que je sais pas combien il faut de cristaux de gratitude, pour avoir la prochaine bouteille. Ok, lui il a rien à poser. Elle, elle a rien à poser. Quand ils ont des trucs à dire, ils ont des petits points au-dessus de la tête. Mon beau-père, qu'est-ce qu'il en pense? Le papa de Zelda. Il a rien dit. Je trouve que c'est dans celui-là où ils ont plus l'air d'être amoureux, Link et Zelda. Et Kiko, tu pourrais faire le ménage chez ta mère. Eh bien, je ne sais point où... Où est Célestin? On va se coucher et puis faire un petit tour et on ira voir le... On ira voir... Le démon. Pourquoi il veut pas rentrer dans sa chambre? Oh, 5 rubis! Et ça, ça arrive pas chez moi! Genre, il passe tous les jours devant la penderie. Il ouvre et tous les jours, il a 5 rubis. C'est pas mal. Oh ! Ok, un cristal de gratitude là. Genre, random quoi. Hop. Célestin. Y'a rien à dire. Ok. Y'a rien à dire, rien à proposer. Et de tout cœur avec moi pour que je retrouve Zelda. Ah. La truche. Encore toi, Link. Qu'est-ce que tu me veux? Hein? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben, j'admire mes insectes. Mais ils sont morts! Ils sont extraordinaires, totalement fascinants, plus encore qu'Argo. Enfin, je ne veux pas dire qu'Argo ne vaut pas mieux qu'un insecte. Mais si. Bref, les insectes me passionnent. Je veux en posséder des centaines. Mon rêve le plus fou, ce serait d'avoir une île à moi qui grouillerait d'insectes. Tiens, d'ailleurs, Link, si tu trouves des insectes, je suis prêt à te les racheter. Et je t'assure que quand il s'agit de bébêtes, je compte pas les rubis. Très bien. Ma collection d'insectes va prendre des proportions inimaginables. Ben, si jamais t'as envie de me vendre des insectes, tu me trouveras ici, je suis là toutes les nuits. Mais j'achète pas n'importe quoi, je décide de mes acquisitions selon l'humeur du moment. Autre chose, je suis comme qui dirait un oiseau de nuit, tu vois, une sorte de luciole en fait. Bref, j'achète des insectes que la nuit. J'ai pas particulièrement envie que ça se sache. Compris, Link? Je sais bien qu'on s'apprécie pas forcément toi et moi, mais je te fais confiance, ok?
Qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? Cricket Firon, Mante Céleste ou Fourmi de l'Annel? Bah, j'ai un peu de tout. Dix rubis pièces? Non? C'est pas assez? Des Cricket Firon, je suis même pas sûre que j'en ai. 20 rubis pièces. J'en ai 12. Donc 20 rubis pièces, si je lui en vends 5, ça me fera. Et voilà, 100 rubis. C'est tout, tout juste. Et même pas, il me donne des cristaux de gratitude, rien. Alors, ergo, même pas en rêve, on va le voir. On va faire le tour de l'académie, et puis après... Voilà, dans celui-là, je suis un apprenti chevalier. Et ma tenue verte est la tenue officielle des apprentis chevaliers. Grida se grattait les fesses. La porte du bas est fermée la nuit. La salle de bain aussi. Il y a quelqu'un qui squatte la salle de bain toute la nuit. Mais bref, c'est la question. Et il y a même des toilettes. Voilà. Pas bien. Alors. Ah si, je voulais aller voir en fait, s'il y avait quelqu'un. Oh. Ok, eh ben allons au cimetière. Oui, des papillons. Il y a des monstres. Mais, fichtre. Mais descends, c'était une toute petite marche. Bah, je l'aurais pas ce papillon, je l'aurais pas. Sont insupportables ces chiens, chez ces chats la nuit. Oh non, j'ai plus d'énergie. Allons voir le démon. Aïe aïe aïe. J'ai loupé l'échelle. Hop là, chez Monsieur Mortego. Bonjour, j'ai 6 cristaux de gratitude. Vous avez rassemblé un grand nombre de cristaux de gratitude. Tenez, en guise de remerciement. C'est tout? On dirait qu'il me faut plus de cristaux de gratitude pour devenir humain. Je vous en prie, vous êtes le seul à pouvoir m'aider. Venez me voir quand vous en aurez 10. 10 de plus ou 10 tout court? 10 tout court. Okay. Fichtre. Mais une bourse, c'est tout pourrave! Surtout que j'ai déjà mis plein de sous pour m'acheter des bourses. Moi, je veux une bouteille. Parce que dans les bouteilles, on met les potions, les fées, mais on en a un petit nombre. Pour l'instant, je n'en ai que 2. C'est pas assez! Et je pense qu'il est l'heure pour moi d'aller au dodo. Je vais aller sauvegarder. Je vais vous dire à plus tard. Je sais pas exactement quand. Demain après-midi peut-être, si l'abominable petite créature fait la sieste. Demain soir probablement. Si on est là. Et puis bah voilà.
J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Bonne nuit, bonne soirée et des bisous, bye bye. Ah si, on va regarder, est-ce qu'on a un raid à faire? Non, ça va. Nope. Et ben à demain, des bisous, bye bye.